From a study master, I went in a do fee. Would you know what I mean in my Ottoba? Ottoba, dear. And I'm one. Metown, c'est une fête. Vraiment, en tout cas, c'est génial. On s'amuse, on fait le show. C'est un festival. Franchement, c'est un peu romantique. It's fresh. Imagine a base my home in town. Base my home in town. Base my home in town. C'était très bon, ça a réveillé la région, ça a permis de montrer nos cultures et c'est une chose à refaire chaque année. Que la communication soit parfaite, voilà, une bonne communication pour qu'il y ait beaucoup d'hommes au Metaon. Nous invitons les filles et les filles de Frambo, nous invitons toute la population de Frambo, toute la population de la Douvelet, du Souillé, toute la population du Sahel, même toute la population de la Côte d'Ivoire et même de l'extérieur, de venir participer au Metaon 2023. Que ça sera du lourd, du très lourd avec Nana Metaon. Merci. Frambo, c'est un village qui est paisible, il y a tout, les habitants sont vivables. En tout cas, tout se passe bien. Je demande à tous les fils de Frambo, de Frao, de Louem, d'Abidjan, bon, de tous les pays, quoi. Ils viennent massivement participer à Metaon 2023 parce que j'y serai, Inch'Allah. Ce que je peux vous dire sur Metaon est que c'est une fête un peu intéressante. Une fête que j'ai un peu regardé les vidéos de trucs. Donc cette année, j'ai décidé de venir assister à Metaon 2023 pour voir comment ça va se dérouler tout et tout. Metaon, j'invite d'abord ma camarade qui s'appelle Ornella. Elle se voit là, elle James même. Je vais inviter d'abord monsieur, je vais inviter mes amis tout et tout pour qu'elle puisse venir assister à Metaon. Non, on va quitter Abidjan pour venir à Frambo. Je venais assister à Metaon pendant 3 jours. Nous, c'est du 11 août au 13 août. Donc, on va être là à Metaon. Venez regarder les belles femmes de Metaon. On vous attend. Bisous. Bien, un beau village. Moi, je sais que le Metaon, c'est une fête de réjouissance qui a lieu pendant les vacances, qui réunit tous les enfants de Frambo. J'invite tout le monde, que ce soit les fils, les filles de Frambo et d'ailleurs, de venir participer au Metaon 2023. Chaque année, il y a des particularités. Hein. La vie ici est simple, on va dire paisible, avec une population très accueillante, très enthousiaste. En tout cas, je me sens bien ici, je me sens comme chez moi. Je pense que le festival Metaon est d'abord une fête culturelle et puis une fête aussi de découverte. Voilà, parce que ça réunit plusieurs personnes. Et là où se croisent plusieurs personnes, il y a forcément des échanges d'expériences. Voilà, pour l'édition du Metaon 2023, j'attends encore plus d'activités, plus de monde et que vraiment à travers toutes les régions, il y a des fils et des filles de la Côte d'Ivoire qui viennent ici à Frambo pour découvrir ce qu'est le festival Metaon. Ejakabade kan yeye omo yami la wo.